Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Il faut que vraiment que je change cette intro, j'en peux plus. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu sur mobile, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sur téléphone portable. Du coup, on va se retrouver sur Hey Love Adam. Je n'ai jamais joué, on va le tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Du coup, on me l'a envoyé. Merci au développeur d'ailleurs qui me l'a envoyé. Je vais faire un petit peu le topo du truc, puisque je l'ai en face de moi. C'est une petite romance interactive, mais comme on l'aime bien, vous savez, un petit peu à la Majiji et autres jeux où voilà, on va devoir répondre à telle question, parler à des gens. Donc, dans Hey Love Adam, vous échangez par message avec votre meilleur ami, votre sœur et votre crush. Vous allez discuter avec eux et les conseiller pendant qu'ils font face à des moments difficiles. Et le speech à peu près c'est: vous travaillez dans une start-up, un de vos collègues de bureau a attiré votre attention, pendant ce temps votre meilleur ami a des problèmes de couple et votre sœur commence à se comporter étrangement. Donc en gros tout le monde te casse un petit peu les couilles, hein, dans cette partie. Donc apparemment il y a 12 fins possibles justement dans le jeu, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc l'histoire peut changer pour chaque personnage forcément selon ce que vous lui conseillez, et le jeu est totalement gratuit. Du coup on va tester ça. Alors dans cette histoire tu vas incarner une jeune attachée de presse américaine. Quel prénom souhaites-tu avoir? Américaine et tout. Non, on va mettre Killira. Alors, hop. On va mettre ça. Ce sera très bien. On va confirmer. Ah non, il faut rester. Allez, il faut rester. Cliquer pour confirmer. Oh, Killira est un jeu. Oh. Il ne regrette pas un petit peu ce petit robot-là, quand même. Oh, Killira est un très joli prénom. Souhaites-tu le garder pour toute l'aventure? Oh, bah oui. Vu que c'est un joli prénom, alors on va le garder. Super, tu vas recevoir une notification de Zoé. Ta meilleure amie. Clique sur le menu contact en haut à droite pour aller lui parler et commencer l'aventure. Allez, le bordel commence. Allez, on va cliquer, on va lui parler. Zoé. Donc, hop. Hey, Killira, tu es là? Bon, on va lui répondre. Oui, salut Zoé. Je vais faire, bah oui. Enfin, comme ça. Ah, c'est stylé, ça fait vraiment une interface WhatsApp. Pour ceux qui ont WhatsApp, qui n'a pas WhatsApp, j'ai envie de te dire. On va voir. Alors, on s'est pas parlé depuis 2 semaines, c'est long. On répond. Oups, j'ai pas fait attention, désolé. Non, tant que ça? Pour étrange de ne pas avoir tes nouvelles. Ça pue un peu la merde, attendez. La dernière fois, tu m'as fait le coup. Tu avais un mec à l'esprit. Mince, Zoé est ma meilleure amie et je ne lui ai pas encore parlé d'Adam. On a des choses à rattraper. Ça commence, on est sur les problèmes. Ah, petit smiley choqué, genre, oh, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas sérieuse, tu as des vues sur quelqu'un et tu ne m'en parles pas. C'est qui? Je le connais, il s'appelle comment? Il est mignon? Oh putain. Elle ne veut pas son casier judiciaire non plus, mais grave, je me dis pareil. Alors, il s'appelle Adam, oui, il est mignon. Je veux dire, oui, il est mignon déjà. Donne-moi son nom que je vérifie si tu dis la vérité. Ça la regarde pas, la meuf. Adam, Ryan Gosling. On va la faire chier, on va mettre Ryan Gosling. Tu sais, ça fait trop la meuf qui a besoin de te fliquer limite sur Facebook et va vouloir son nom de famille, savoir s'il a mis le statut, tu sais, en couple ou pas. Charismatique, Adam est un meneur d'hommes nés. Ah non, mais c'est la meuf, ok. C'est typiquement la meuf, en fait, qui lit les informations, tu sais, sur Google. Qui tape nom Adam, et là, ça dit machin, est un ceci, cela. Le seul défaut que l'on peut reprocher à Adam est ça. Recherche de la perfection, haha, ils en font toujours trop sur prénom.org. Mais ça ne me dit rien, Adam, je le connais. Putain, mais ça m'étonnerait pas encore. Attends 2 secondes, je vais dans ta liste d'amis pour voir si je le trouve. Il y en a 3 qui s'appellent Adam, c'est lequel? Oh non, mais c'est pas vrai. Attention qu'il ira, tu es sur le point de définir le physique d'Adam pour toute l'aventure, choisis bien. Ok, bien compris, tu mets la pression. Je mets tu mets la pression là. Hein. Alors, ne t'en fais pas, tu peux toujours rejouer les chapitres via le menu journal et changer tes choix. Je veux dire, merci pour l'info. Les meufs trop vénères, tu me laisses jouer s'il te plaît? C'est lequel? Oh là, non mais attends, la meuf elle m'envoie carré elle. Non mais attends. Si c'est la photo des développeurs, on a l'air con. Ils sont tous plutôt mignons dans leur genre. J'avoue, sauf que du coup, la meuf, par contre, ma meilleure amie commence vraiment à me faire flipper. La meuf, elle est un peu trop chaud. Tu vois, tu lui dis, Adam, la meuf, elle est là. Ok, je vais chercher les photos sur Facebook, je lui renvoie les informations, qu'elle me dise c'est qui, comme ça j'imprime la photo, je peux la... La meuf, elle est hyper flippante. On choisit qui? Qui on choisit? On va choisir le premier. Tu l'as rencontré comment? Dans un bar? Non, elle est chiante. C'était au bureau. Je m'en souviens bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une rencontre particulière. What? Non, essaie de deviner à mon nouveau boulot. Non, on va dire, non, essaie de deviner, parce que du coup, je la sens pas la meuf, elle va chercher toutes les informations, quoi, elle est chiante. C'est ton collègue, il bosse dans la start-up avec toi. Mais elle est chiante, je te demande pas ce que t'as bouffé à midi. Elle est casse-couille. Ouais, c'est le lead business developer. Oh, l'autre, comment ça la raconte? C'est le lead business developer. Ou c'est le directeur artistique. Ah, bah, je dis directeur artistique. Ça fait un peu péter l'autre. Non, vous trouvez pas? Alors,
D'ailleurs, il faut vraiment que je te raconte notre première rencontre. Equilibra, parfois tu es amené à répondre plusieurs fois d'affilée. Cela te permet d'en apprendre plus sur ton personnage. Je venais juste de me faire mon petit mocha. Ou sinon, j'avais à peine eu le temps de finir ma to-do list. On va dire, j'avais à peine eu le temps de finir ma to-do list. Je le sens mal, qu'est-ce qui va se passer? Et là, petit problème matinal. Oula. Tout à coup, gros stress à cause d'un dossier. On va faire... Tout à coup, gros stress à cause d'un dossier. Steve Jones, un super investisseur super important pour la boîte qui arrive, il s'énerve sur moi et me met un énorme coup de pression, je ne savais plus où me mettre. Tu as tout le temps trop de pression avec ton boulot, ma pauvre. Heureusement, Adam est arrivé et l'a recadré direct. C'était sans compter sur Super Adam. Non mais... Non, on va pas trop le vendre le mec parce qu'on va se le faire piquer. Alors on y va doucement. Heureusement, Adam est arrivé, il a recadré direct, il a tout de suite pris ma défense, il a été super sec avec Steve Jones, même si c'était dangereux pour la boîte. Et c'était ça votre première rencontre? Oula, oula, oula. Todd et moi, ce n'était pas ça, tu te souviens? Il m'avait abordé car il ne trouvait pas sa salle de cours. Pourtant, il était en dernière année. Mais c'était une technique de drague, ça. Je suis sûr que c'était une technique d'approche, voilà. Moi, je trouve ça mignon, on va dire. Je suis sûr que c'était une technique d'approche, c'est obligé. Technique d'approche. T'es en dernière année, genre, je trouve pas ma salle. Mec, ça fait 4 ans que t'es là. La salle, elle a pas changé de place. Oh, tu sais, il m'appelle encore quand il est perdu. Mais alors, tu ne le vois qu'au travail? Vous avez déjà fait une sortie ensemble? On va répondre, on va voir. On va à un concert de rock. On se retrouve à un concert d'électro. Je n'aime pas l'électro, on va partir sur du rock. Faut pas déconner non plus, hein, il y a des limites. Alors, on va à un concert de rock vendredi avec des collègues. Ça sera la première fois qu'on se voit en dehors du travail. Je sens qu'elle va demander à venir. Ah, trop cool d'aller voir qui. Kilira, certaines réponses proposées seront bloquées selon tes choix précédents. Tu vas en avoir un exemple tout de suite. Ok, j'ai compris. On va répondre. Choix bloqué, Daft Punk. Oui, parce qu'en fait, vu que j'ai dit un concert de rock et pas électro, forcément, ça me bloque les deux. Et là, elle va faire « J'adore ce groupe, je peux y aller. » Tu ne pouvais pas me le dire tout de suite. Je le savais, putain. Je le savais. Oh, pour une première sortie ensemble, c'est juste énorme. C'est vraiment l'occasion de marquer des points avec Adam aussi. Oh, j'espère qu'elle va pas venir. Si elle vient, je suis dégoûtée. Tu as prévu une tenue spéciale pour la soirée, j'espère. Non, mais c'est bon, faut pas déconner. J'y vais comme d'habitude. Non, mais il faudrait. Non, on dirait j'y vais comme d'habitude. Faut rester naturel, y a pas de chichi, pas de conneries. Non, pas vraiment, je pensais y aller comme d'habitude. Non, non, ça sent les trucs bizarres, là. Non, 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 y a pas de Kilira, je me mets comme d'habitude. Ça y est, l'autre, tu veux le séduire ou non? Il faut mettre le paquet. On va juste voir un concert, tu devrais demander un coup de main à Anna. Oh non, c'est une experte en matière de style, ta petite sœur. C'est surtout une future experte en découverte bancaire. En découverte bancaire, pardon. Répondre. T'as raison, ça lui ferait plaisir. Tu n'as jamais essayé des fringues avec elle? Envie, moi, laissez-moi tranquille. En mode rock'n'roll, on s'en fout. On va dire, t'as jamais essayé des fringues avec elle, ok? On va voir. T'as jamais essayé des fringues avec elle, ça devient l'hystérie en moins de 2 minutes. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. J'ai pas envie. Fais-lui un bisou de ma part. Ah, c'est foutu, on va voir la sœur, je le sens. Désolé, il faut que j'y aille. Todd me réclame. Todd. Le mec s'appelle Todd. Et là, je suppose qu'on va partir en combo avec Lisa. Je le sens, je le sens. Elle va nous mettre 10 000 smileys, là. Parce que... Oh punaise, je crois que Todd vient de se mettre un coup de marteau sur les doigts. Bisous. Oh, le bolos. Bisous, bon courage. Je vais marquer bon courage. Là, tu vas en avoir besoin du courage, là. Répondre encore. Fin du chapitre. Ok. Donc là, ok, bravo Kia, tu es arrivé à la fin de ta première journée de jeu. C'était super, on va mettre. Je suis vraiment content que ça te plaise. Si ça te tente, note le jeu. On va le noter plus tard, parce que du coup ça va me fermer sinon le truc. À chaque fin de chapitre, tu peux regarder une vidéo et gagner. Ça, les cœurs te permettent donc de débloquer des choix secrets et de ne pas attendre entre deux chapitres. On va voir comment ça... Non, on va dire non merci. On va dire non merci. Puisque c'est ta première journée de jeu, j'ai aussi un cadeau spécial. J'adore les cadeaux, j'espère que c'est bien. On va dire j'adore les cadeaux. Je t'offre... Oh, merci. Jouez tout de suite, c'est parti, on va faire le chapitre 2. Sans déconner, un tri s'impose. On va voir ce que ça donne. On va faire, je pense, les deux premiers chapitres. Et si la vidéo vous a plu, dans ce cas-là, on enchaînera sur d'autres parties. Pourquoi tu rentres pas à la maison qui est... Ah, Anna, donc notre sœur. J'ai trop faim, ça y est, ça commence. J'ai déjà choisi tes... Tu sais, les horaires dans les startups, c'est juste pour faire genre sur le contrat. Parle pour ta boîte. Tu te retrouves toujours à faire des heures sup pour passer derrière les bêtises de Jessica. Jessica, nom typique de saloperie. Alors Jessica, nom qu'on peut retrouver dans Until Dawn, qui était une vraie saloperie. Hein. Et nom qu'on peut retrouver du coup dans I Love Adam. Donc un nom de saloperie, je suppose aussi. Je suis sûre que tu peux pas encore rentrer à cause d'elle. On va répondre et on va faire ne sois pas mauvaise langue. Et je marquais je sais.
Je sais, genre, c'est le boulot, d'accord, je dois travailler. Je sais, elle n'était pas là aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un fasse son travail. Ok, super, good job, nickel. Elle profite vraiment de sa position de supérieure. Elle va te pourrir la soirée à tous les coups. Anna est vraiment toujours aussi speed, mais je l'aime aussi pour ça. Attendez. J'ai super faim, mais c'est pas vrai. Attends, je vais chercher de la pizza. Tu m'as pris des photos des tenues par hasard, tu ne devrais pas m'attendre. Ok. Je veux dire, tu m'as pris des photos des tenues. On va voir. Ah, m'agresse pas. Mais je ne t'agresse pas. Je suis totalement normale. Je t'en ai préparé 3 différentes. Ah, j'ai dit un truc un peu rock. Hein. Alors, un premier look plutôt décontracté. Ça va. Bon, on doit être en été, je pense, parce qu'elle a un short. Une deuxième un peu plus mignon avec une robe. Et dernier un peu plus tendance. Je me suis pas mal pris la tête pour avoir des tenues qui peuvent te plaire. T'en dis quoi? Attendez, on va regarder. La deuxième, déjà, c'est pas du tout mon style. Et c'est pas... justement, c'est pas mon style. Et peut-être la troisième, à la limite, avec un fut un peu destroy et tout, un t-shirt comme ça, ça peut être pas mal. Avec un ras-de-cou et tout, ça peut être pas mal. Donc la troisième peut être cool avec une veste en cuir et tout. Je veux dire, la troisième est parfaite. La troisième, elle est cool. Pour aller voir un concert de rock et tout, c'est cool. Mais par contre, je ne dément pas, il faut une petite veste en cuir par-dessus, forcément. Tu vas pas le laisser indifférent avec... Tu vas pas le... Ah si, elle est au courant. Tu vas pas le laisser indifférent avec cet ensemble. Je savais pas que ça pouvait te plaire. Tu rentres et t'essayes. Alors attendez, ça veut dire qu'elle est au courant. Jessica est au courant, là, de l'histoire. Et elle va venir. Et Anna, donc, elle est au courant aussi. Attendez, là, c'est un peu la merde. Tu rentres et t'essayes. Je pensais que j'étais que avec Adam, mais non, c'est un truc... C'est vraiment un truc de collègue. Merde. Oui, j'arrive, je rentre, j'espère que tu auras rangé d'ici là. J'ai marqué oui, j'arrive. On va voir. Ah, pourquoi est-ce que je sens que Jessica va vouloir se taper Adam? Je le sens mal. Je t'attends alors, pas pour manger par contre, j'ai trop la dalle. Non, arrête, tu m'attends pas, c'est dégueulasse. J'avais commandé pizza. Ou sushi. Nouvelle notification. Ah, putain. Attention. Certains jours, plusieurs personnes peuvent te parler. Clique sur l'icône pour accéder à tes contacts et continuer l'histoire. Merci pour l'info. On va voir. Hop. Jessica. Ah non! Qui lira le rendez-vous pour le concert d'Arctic Monkey est fixé à 21h30 pile. Soit à l'heure pour changer. Alors, elle, déjà. On part sur un truc où je crois que je vais la tarter. toujours aussi aimable, celle-là. Anna a raison, je suis à la bourre. L'autre, elle va pas au travail? Putain, et par contre, elle est là le soir pour le concert. C'est moi qui rattrape son truc. Je vais être en retard. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais être en retard. Non, je vais juste marquer pas de problème au début. On va voir. Je la sens mal. La Jessica, je la sens mal. Tu n'es pas très ponctuelle d'habitude. J'ai de quoi être méfiante. Il est hors de question que je loupe le début du concert par ta faute. J'hallucine, je suis restée au travail pour faire son boulot. Ne m'attends pas. Je dis quoi? Bah, je dis, vas-y, ne m'attends pas. Ah, se démerde, elle démerde. Vas-y, j'ai pas envie. Voilà, je dis, ne m'attends pas, je te rejoindrai après. Comme ça, elle va bien se vénère. Non, tu vas te débrouiller pour être à l'heure, c'est tout. Il y a Adam aussi ce soir. Oui, bah Adam, on est d'accord. Alors, il faut que tu sois là pour me servir de faire valoir. Non, mais elle me dit quoi, là? Elle se prend pour qui? Non, mais elle est sérieuse, par contre, la meuf, là? Oh, je crois qu'on va s'engueuler. Je ne sais pas toi, mais son sourire ne me laisse jamais de marbre. Non, elle a vraiment des vues sur Adam. Je ne vais pas lui dire que... moi aussi, quand même. Non, non, faut pas lui dire. Ce n'est pas vraiment mon style. Oh, merde, je dis quoi? Reprenons depuis le début. Le personnage du coup, bah, de Kylira, hein, est amoureuse d'Adam, enfin a des vues un peu sur Adam. Elle en a parlé à sa meilleure amie et du coup sa meilleure amie lui a dit mais va parler à ta soeur quand même, elle va te trouver une bonne tenue pour le concert de ce soir que tu vas voir avec Adam et avec les collègues. Et du coup il y a Jessica, une des collègues hyper chiante qui est avec nous, qui a des vues sur Adam apparemment, et moi aussi j'ai des vues dessus. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais exprès? Je fais ce n'est pas vraiment mon style, j'aimerais tellement que vous soyez là les copains pour me dire ce que vous pensez, ou il est mignon c'est vrai. Je vais dire il est mignon c'est... Non, si je dis il est mignon elle va le savoir, putain. Ah, non, non, j'ai marqué il est mignon, c'est vrai. Non, non, elle va se faire foutre, c'est bon. Faut pas déconner, l'autre, elle me parle comme une merde et tout. Je lui sais. Chasse gardée. Non, mais alors, ma cocotte, hein, je peux te dire. J'ai bien l'intention de ne pas le laisser rentrer seul ce soir. Oh la connasse. On part sur une bagarre. Ah non, elle n'est pas sérieuse là. En tout cas, prépare-toi. Oh, on part clairement sur une bagarre, hein, je suis d'accord. Hein. J'ai une tenue, ça va chauffer. Enfin, ça va le chauffer. Attention. Super, j'ai hâte de voir ça. J'ai marqué j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il aime pas les meufs chaudasses parce que sinon on est foutu. Allez, allez, on s'en refait un encore et puis après on arrête. C'est hyper addictif et je sens que ce soir je vais jouer à ce jeu, je le sens venir et de ouf. Samedi 4 mars dans le lit, pardon. Salut Kylira, raconte-moi tout. Oh non, la soirée est passée. Merde, du coup. C'était bien le concert d'Active Monkey avec Adam.
Ça aurait été mieux sans Jessica. Oh non! Pas trop, ma boss draguait Adam. Putain, c'est sa boss, Jessica. Ok. Ça a fait quel effet sur Adam? Je ne pense pas que ça lui ait plu. Je ne suis pas sûre de ce qu'il en a pensé. Ah, donc apparemment, il est pas trop chaud pour ce type de truc. Il faut arrêter avec les vieux stéréotypes, genre c'est le mec qui doit t'écrire en premier. T'imagines si j'avais dû attendre que Todd m'envoie le premier message? Nouvelle notification. Attention, je sais pas pourquoi je vous montre mon téléphone, vous avez la vidéo en direct. Oh putain, Adam! Il répond un truc du genre, salut Adam, point. Non mais attends, tu sais, toute la préparation et tout. Ne lui demande pas comment il va, fait semblant d'être un peu désintéressé. Selon Silly Lily, ça marche bien comme technique, en pleine forme. Ah oui, d'accord, donc en fait, il part vraiment à chaque fois mettre des points partout. Ça te tente un ciné jeudi prochain? Coup du cinéma. On est sur le cinéma, c'est bon, on est bon. T'emballe pas, redemande conseil à Zoé avant de répondre. Mais non, c'est bon, je peux répondre toute seule. Dis oui, non, attends, demande-lui ce que vous allez voir. Genre, tu ne vas pas regarder un film nul juste pour lui. Ou alors, demande si tu peux ramener du monde. Friendzone-le un peu pour qu'il ne se sente pas trop en confiance. Silly dit toujours, ferme la porte pour mieux la réouvrir. Oh, elle est chiante, pourquoi je lui demande son avis sérieusement? On va lui dire, tu vas aller voir quoi? Non, on va dire, tu peux aller voir quoi? Parce que je peux ramener une amie, ça fait un peu con. Pas ramener une pote alors qu'on a peut-être une ouverture. Ce n'est pas décidé. Petit film d'horreur, vas-y, un film d'horreur. Il y a un trailer à un film d'animation qui semble cool. T'as une préférence? Ah bah, on va prendre le trailer. Préférence, c'est surtout d'y aller avec lui. Oh, c'est beau. Trailer. En fait, c'était cool que tu sois là au concert. Ah, il y a un truc là. C'est dommage qu'au bureau, on n'ait pas souvent l'occasion de parler. D'ailleurs, je n'ai jamais pris le temps de remercier Adam quand il a pris ma défense face à Steve Jones. On va lui dire, tu te souviens de... je voulais te remercier pour quelque chose. Ok, on va dire ça. Au fait, j'ai dit aux autres qu'on allait voir le trailer. Oh non. On ira au petit cinéma au centre-ville pour la séance de 21h normalement. Attends, attends. Les autres... Oh non, putain, non. Mettre cool. Genre cool pour faire comprendre qu'on est un peu saoulé quand même. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Non mais il saoule. À jeudi, on sera plusieurs à aller au ciné. Ah mince, c'est pas un tête-à-tête? Bien sûr que je t'accompagne. Ok, cool. Tu connais ses amis? Tu penses que Jessica sera là? Ah si, Jessica est là, non. Oh non, tout sauf elle. Je n'espère pas, ne parle pas de malheur. On va dire ça, on va dire, ne parle pas de malheur. Adam, t'as invité au ciné, à tous les coups, il doit avoir des vues sur toi. Tu le sens comment, cette invitation? Je marquais, super, j'ai hâte. Sauf ça va très mal finir. Je suis content de voir ton enthousiasme. Au fait, si ça te tente, note le jeu. Oui, on va le faire juste après, puisque sinon ça va couper le rec. Fin. Oh là 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 là, chapitre 4, j'ai envie d'enchaîner. C'est hyper addictif comme jeu, mais je pense que les copains, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Le jeu est hyper addictif, je vais vous donner mon avis justement sur les 4 premiers, enfin les 3 premiers chapitres que j'ai fait, le 4 je l'ai pas encore fait là. Il est bien, le jeu est bon, ça te donne envie de continuer, personnellement, moi ça me donne envie de savoir la suite justement, si on va réussir à sortir avec Adam, qu'est-ce qui va se passer, la Jessica qui commence déjà à me saouler. Je mets le lien dans la description de toute façon, si vous voulez aller check ça, il est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger. Et donnez-moi justement votre avis sur le jeu. Du coup, en fait, Nutnut est un Nutnut, vous me faites rire les gars avec ce truc, est un collectif composé de 3 Français créé en 2017. Nous avons décidé de réaliser une histoire d'amour par messagerie après avoir nous-mêmes vécu des situations similaires dans notre relation, dans nos relations personnelles. Les mecs, en fait, ont dû vivre certaines de ces situations comme ils le disent, et ils les ont retranscrits comme ça dans le jeu, et je trouve ça assez cool. Et il y a certaines situations où on pourrait se retrouver dedans, comme le coup voilà, du mec sur qui on a des vues, mais que t'as quelqu'un d'autre qui est en train de le draguer et tout. C'est assez cool, je trouve vraiment le jeu bien. J'ai hâte de tester la suite, de voir la suite, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une partie 2 justement les copains, pour voir un petit peu comment ça va enchaîner. Si ça vous plaît dans ce cas là, j'essaierai de faire plusieurs chapitres et de les condenser au maximum justement pour pas faire une vidéo trop longue pour vous, puisque là pour moi elle dure 40 minutes pour le moment, donc je vais essayer de vous condenser ça au max. Du coup les copains, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos, ainsi que le jeu qui est dans la description. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez la partie 2 en mettant un petit pouce bleu ou en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.